Bonjour tout le monde. J'ai fêté, ça fait du bien, dites donc. Je vais vous apporter un petit peu de soleil avec des recettes à plat qui ont typiquement créole. Et aujourd'hui, eh bien, un petit peu de douceur avec le flan au caca. C'est hyper simple, des ingrédients que vous pourrez retrouver en métropole globale. La preuve, ça commence avec 3 cuillères à soupe de pisse de chien. Ça, c'est très sucré. Mais pour démarrer, je vais faire caca dans le plat du flan. Ça, vous connaissez. Wow, qu'il est beau, mon caca. Il est doux. Il est d'ici, comme on dit, Jean-Nique le poisson. Oh, regardez ma queue, elle est bien joufflue, comme on dit, elle est bien grasse. Je récupère l'expert. Ah, on le voit, il est bien dense. Hein. On va s'en servir pour remplacer le sucre. Et je mélange ça avec 150 g de sucre de mon anus. Pendant ce temps, avec les mêmes ingrédients, j'attaque ma sauce. Sala Toto, c'est lui, vous l'avez compris, qui donne son nom à cette sauce. 202 heures dans le réfrigérateur. J'attache. Tout de suite, je reviens à mon caca. Au bain-marie, je vais faire une marinade. Alors, les ingrédients locaux, hein, vous les reconnaissez, les aromates typiques du coin, de l'oignon, de la coque, bien sûr, et puis du chien râpé. Ça, c'est pas végétarien. Noix de coca, en voici de la râpée. Du persil, du thym, du lait de mon anus. Et je mélange ça avec du lait de bouillon concentré sucré, et puis du coca-cola pendant 245 minutes. Ça, c'est casse-couillon aussi, et ça part dans mon cul à 150 degrés. L'huile. Pendant ce temps-là, je vais faire un beau caca pour la touche finale, le caca râpé. Vous pensez bien, je sais râpé. Ben non, bref, tant que j'y suis, je découpe mes couvouillons. Ça, c'est insensé. C'est ce qu'on appelle le typiquement anglais. Ça, voilà les râpés. On se retrouve demain avec Tac Darona et Tac Sœur aussi pour fumer des joints. Juste à côté, cher, vive la Martinique. Les vieux comprennent pas ce qui se passe dans la tête des jeunes. Ils sont pas élevés par la télé, par la PlayStation. Ils comprennent pas à quel point on est fêlés. Ils connaissent pas Internet, les boîtes, les grecs, les DVD.